Alors coach, félicitations, très bon match. Vous êtes allé vraiment chercher cette victoire. Effectivement, nous sommes allés chercher cette victoire. Tant bien que mal. Parce que tout simplement, le début a été difficile. Vous avez vu que j'ai été exclu du terrain. Parce que tout simplement, je n'ai pas apprécié l'arbitrage. Je pense que si nous sommes venus en compétition, c'est parce qu'on a le niveau et tous les arbitres, les officiels autour des matchs doivent avoir un bon niveau. Mais si on observe certains amateurismes dans l'arbitrage, ça pose problème. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai protesté, j'ai été exclu du terrain. Mais les filles ont compris le message qu'il fallait se battre. Se battre, c'est-à-dire il ne faut pas accepter l'inacceptable. Et c'est pour ça qu'elles se sont battues jusqu'au bout. Et voilà qu'elles ont remporté par la manière. La manière, c'était quoi? C'était de jouer dans le terrain et que l'arbitre aussi devait tout faire pour arbitrer équitablement. Et je pense que après cette bourde, je pense qu'ils se sont ressaisis, les arbitres se sont ressaisis et voilà, justice est faite, et les filles ont gagné. Merci. Très belle victoire, vous allez continuer ainsi, vous espérez faire des matchs pareils? Bien sûr, comme je vous l'avais dit, si on est là, c'est parce qu'on veut viser loin. On n'est pas là pour dire que nous allons juste venir tâtonner, faire du tâtonnement expérimental et retourner. Non, on est venu pour se battre, pour essayer de prouver ce qu'on a. Et c'est ce que les filles ont montré. Parce que je voudrais que ça soit ainsi. J'ai déjà donné les consignes aux filles. Lorsque j'ai compris que moi-même, je ne lâcherai pas, elles ont tout fait pour ne pas lâcher. Elles ont gagné.